Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Syndicalisme, des femmes veulent faire entendre leur voix. Dans 200, des bénévoles se mobilisent dans la commune de Cocody. Et puis le ministre en charge du tourisme est à la découverte des sites pour valoriser le projet Sublime Côte d'Ivoire. Il était à Assigny et à Soindé. Des femmes issues de l'administration publique veulent faire entendre leur voix dans le syndicalisme pour la prise en compte de leurs préoccupations. Comment ôter les freins pour que ces femmes soient davantage représentées au sein des mouvements syndicaux? La question était au centre d'une formation de la cellule féminine de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire au siège de la Fêtière dans la commune de Yopougon. La femme fonctionnaire a été invitée à affirmer son leadership dans le syndicalisme. Aujourd'hui, c'est notre première formation. Les femmes sont venues massivement pour apprendre, pour se former, comme les filles, les slogans, les livres, former pour mieux revendiquer. Madame Anne Unuto, qui est femme ministre de la fonction publique, ce sont des femmes qui sont comptées toujours au bout du doigt. Voilà, donc c'est un modèle pour nous aujourd'hui, en tant que femmes, pour hisser aussi la femme au... Pour le président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'engagement dans le syndicalisme constitue un credo favorable pour les femmes confrontées au sexisme développé dans notre société. Une femme qui est présidente du conseil régional sur 33, c'est très faible. Il y a moins de 10% de femmes dans nos organisations syndicales. Donc, je voulais appeler les femmes à s'engager, à s'intéresser au syndicalisme, parce que le syndicalisme permet d'améliorer les conditions de travail et de vie. L'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire entend poursuivre la formation de ses adhérents au militantisme féminin. Objectif, offrir toutes les armes nécessaires aux femmes pour une présence plus accrue au sein des institutions syndicales, à l'effet d'assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de leur plein épanouissement. Donner son sang, c'est sauver des vies. Samedi 18 février, au centre de prélèvement du CHU de Cocody, a eu lieu l'opération de don de sang, organisée par la Fédération des donneurs bénévoles de sang de Côte d'Ivoire. Lohor Ezekiel, jeune bénévole, a décidé de faire don de son sang. Aujourd'hui, c'est ma troisième fois de donner mon sang, parce que c'est très important de sauver des vies. Je vous exhorte à venir donner votre sang pour sauver des vies. Des personnes venues massivement, mais tout le monde ne pourra pas faire don de son sang. J'étais là aujourd'hui pour donner mon sang. Et après consultation, elle m'a dit que je ne pourrais pas donner mon sang, sous prétexte que je sors d'une maladie. Cette collecte permettra de venir en aide aux personnes dans le besoin. Vu qu'il y avait assez de personnes qui mouraient par manque de sang, il fallait donc faire quelque chose. Nous avons pris sur nous de mettre en place la fédération en vue de répondre à un certain nombre de besoins. Une occasion pour exhorter la population à faire ce geste simple qui peut sauver des vies. Après un an à la tête de la commune, le maire de Boisflay, Azik Ofi Serge, a dressé le bilan de ses actions sociales et de développement. On peut citer entre autres l'achèvement d'un bâtiment de 3 salles de classe, plus un bureau à l'école primaire publique EPP Nyomandibi, la réfection et l'équipement du centre de santé de Tengo-Dogo-Kupela, le reprofilage de la voirie communale, longue de 14,4 km, l'acquisition et l'installation de feux tricolores au rond-point du quartier Coco. Au nombre des actions menées, l'aménagement d'un espace public moderne doté d'une fontaine d'eau dédiée à la mémoire de l'ex-maire Lucien Leyebi. Le montant total des investissements s'élève à plus de 212 millions de francs CFA. Je pense que j'ai été moi-même conseiller municipal. C'est l'une des rares fois où le taux d'exécution en termes d'investissement nous avons dépassé les 99,90% où on atteint ce taux en moins d'une année. Donc pour nous, c'est quelque chose de notable et vraiment de très apprécié. Azi Serge Kofi est le 5e maire de la commune de Boisflay. Il a succédé à Dr Lucien Leyebi le 17 février 2022. La côte, la plage de sable, la mer, la lagune ensoleillée et autres espèces végétales, des loisirs nautiques et sportifs. L'on se croirait sur une image de carte postale à milieu, mais non. Ces sites situés dans les cités balnéaires d'Assouindé et Assigny ont été visités par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Il est allé saluer les acteurs du tourisme propriétaires de ces sites. Il a pris l'engagement de trouver les stratégies pour les encadrer en vue d'aboutir à la réussite du projet Sublime Côte d'Ivoire. Le gouvernement a initié une stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire qui a été lancée au cours de l'année 2018 et une décision du Conseil des ministres a adopté cette stratégie
Et il est important qu'à mi-parcours, on fasse le bilan pour ce qui concerne les investissements directs étrangers, mais aussi les investissements provenant du secteur privé ivoirien. Et en outre, nous savons qu'Assini n'en demeure pas moins une vitrine plus importante de notre pays. Et donc, il était important que le gouvernement, à travers moi, se déplace pour voir ce qui a été réalisé et surtout avoir encouragé l'ensemble des opérateurs du secteur qui ont pris l'initiative de suivre l'appel du gouvernement. Le tourisme représente le troisième pôle du développement économique de la Côte d'Ivoire, avec à la clé la génération de plus de 700 000 emplois. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.